tous mes associés, à ma famille, à mes amis, mes fournisseurs, à tous ceux qui sont partis déjà là-haut, mais qui nous écoutent peut-être certainement. Je vous remercie d'être là ce soir pour fêter les 100 ans de la boulangerie. Et il y a une dizaine d'années, je me disais, ce serait bien d'aller jusqu'aux 100 ans, comme un challenge, une certaine fierté aussi. Ça y est, on y est, on a réussi. Rappelez-vous, pour les plus anciens, quand mon grand-père François faisait son pain dans le four à bois et qu'il partait faire son jardin l'après-midi, ma grand-mère Marguerite devait veiller au grain. Quand Fernand, mon père, prit la suite, il modernisa radicalement la boulangerie. Dans les années 70, il fut rejoint par Jackie, un de ses trois garçons, et la petite boutique rue Jean Jaurès, tenue par maman et les vendeuses, ne cessait de prospérer. Dans les années 80, de retour de l'armée, j'avais hâte, CAP en poche, de rejoindre la boulangerie et d'exercer ma passion qu'est ce métier. En 85, avec Jackie et Maryse, on décidait d'ouvrir le magasin de jeunesse. Les labos furent agrandis et nous avions encore plus de pain sur la planche. L'année 99, où j'ai perdu mon frère, étant désarmé, j'ai eu un moment de doute sur mon avenir et celle de la boulange. Mais Olivier, le fils aîné de Jackie, a décidé de me rejoindre et pour une dizaine d'années, l'entreprise continua son essor. Nous commencions à réfléchir à élaborer des plans pour tourner la boulangerie d'Azieux côté place où on est aujourd'hui. Finalement, en 2010, Olivier se dirigea vers d'autres horizons. Avec un premier associé, nous avons décidé de refaire en priorité le magasin de jeunesse pour redonner un coup de fouet à notre activité. Le projet d'Azieux restait quand même encore en sommeil. Et c'est en 2015, avec Jean-Marie, mon associé actuel, que nous avons réalisé ce projet qui me tenait quand même beaucoup à cœur, la transformation de la boulangerie telle qu'elle est aujourd'hui. Après des travaux longs et difficiles, sans arrêter de vous servir, nous avons enfin inauguré la boulangerie en septembre 2016. Quel bonheur! Pendant les travaux de la rue de la République, avec Jean et Anthony qui venaient de nous rejoindre, nous avons décidé de nous positionner sur la place de la République. Trois boutiques différentes pour mieux répondre à vos attentes. Les travaux d'Azieux viennent de se terminer. Vous pouvez remarquer qu'elle est quand même belle, cette boulangerie. Je tiens à remercier encore tous les gens qui ont participé à cette préparation pour cette fête ce soir. Je remercie donc tous mes salariés, les anciens, les nouveaux qui travaillent avec nous, qui ont participé au développement et à la réussite de cette entreprise. Et merci à vous tous pour votre fidélité. Bonne soirée à tous. Merci.